Bonjour à tous et à toutes, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est un moment assez particulier puisque c'est la 20e. Donc c'est la 20e semaine que j'enregistre la minute Muay Thai du dimanche. Je suis super content parce que vous êtes de plus en plus à me suivre et ça me rend de plus en plus heureux. Et c'est pourquoi je vais continuer à faire travailler mon cerveau et à partager avec vous des mouvements techniques pour les passionnés du Muay Thai comme moi et comme vous. Aujourd'hui avec Salem, on va travailler la vitesse, mais pas simplement la vitesse. Il existe plusieurs formes de vitesse. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la vitesse d'exécution. Exécuter des mouvements techniques de manière très rapide. Pourquoi on fait ça ? Ben, tout simplement pour surprendre son adversaire, pour déborder son adversaire. Si on travaille vite, on a plus de chances de toucher son adversaire et moins de chances de se faire contrer. En revanche, si on travaille lentement, on a beaucoup moins de chances de toucher son adversaire, forcément. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on peut se faire contrer très facilement. Comment travailler la vitesse d'exécution? Tout d'abord, il faut bien maîtriser les mouvements techniques. On ne maîtrise jamais assez bien les mouvements techniques. Hein. Bon, on les met en pratique, on les travaille doucement pour que son cerveau comprenne ce qui se passe, qu'il analyse, qu'il passe l'info au corps, le corps qui passe l'info au cerveau. Et tout ça, ça fait une espèce d'harmonie... d'une belle harmonie entre le haut et le bas. Vitesse d'exécution, rapidité d'exécution. Rapide, vitesse. Ces mots doivent vous parler dans votre tête. Il ne faut pas être lourd sur les jambes. Pas donner du poids supplémentaire à votre corps. Il faut le rendre léger, votre corps. Si je fais un coup ou deux coups sur mon adversaire, je mets trop de force, trop de poids dans mes mouvements, les coups vont partir, mais très lentement. Forcément, quand ils vont arriver, ça va faire mal, mais ils arrivent très peu. C'est pourquoi il faut explosif, ne pas mettre de poids. Les jambes sont déjà lourdes, le corps est lourd. Si vous faites 60, 70, 80, 90 kilos, essayez de travailler de manière très léger. Caressez le tapis, on part ici et là. Vitesse d'exécution. Ça part tout seul. Ça part tout seul. Il faut laisser son corps parler. Mais... bien maîtriser les mouvements tout d'abord et surtout bien se positionner hein, et être complètement relâché de manière très 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 fluide. Vraiment, on relâche les épaules, on fait travailler son bassin naturellement, on monte, on pivote, on est détendu, on laisse bien l'énergie entrer à l'intérieur de son corps comme ça pour amasser un maximum d'énergie positive. Et ensuite, lorsqu'on travaille la vitesse d'exécution, ça allait me mettre un direct du gauche par exemple. Je vais pas chasser, c'est trop tard tout ça, c'est dans l'instant, bam, 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 dans l'instant. Et refais la même chose, là. Direct on plante le genou, dans l'instant. Et bien revenir à sa place. Pensez à ça, vitesse d'exécution, rapidité d'exécution. Ces mots doivent vous parler tout le temps. Voilà, j'espère que cette technique vous a plu. Merci de la partager régulièrement sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux, YouTube, Instagram et tout. Vraiment, c'est très sympa à vous, je vous remercie. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite, comme d'habitude, une semaine agréable. Et moi, taille-moi votre.